s'appelle l'authentique cuisine de Bretagne. C'est un livre avec une bonne centaine de recettes. Il y en a même largement plus. Et dedans, vous avez aussi des illustrations, ce qui est intéressant, parce que il y avait le grand classique qui lui existait avant, mais n'avait pas d'illustration. Il y a une chose très simple, et c'est bien quand on a les enfants qui rentrent de l'école. Vous prenez une pomme, vous la coupez en gros carrés, un petit peu de beurre dans la poêle, vous faites sauter votre pomme. Et vous délayez euh, une pâte à far, c'est-à-dire un ou deux œufs, un peu de sucre, de la farine et un peu de lait. Ça vous fait comme une pâte à far ou une pâte à crêpe, c'est toujours la même chose. Quand vos pommes sont bien revenues, vous, aimez, vous les avez un peu sucrées, vous versez la pâte à far comme ça dessus. Dès que la couleur prend, vous mettez au four 5-10 minutes. Ça s'appelle un michon. C'est rapide, c'est vraiment bien fait et moi j'adore ça. Et on m'arrête dans la rue pour me dire que c'est bon, donc ça doit être bien. Je vais vous faire un petit cadeau. Il euh, y a la recette des moules au thym. Elle est un peu longue dans le livre. Et depuis, j'ai amélioré on peut faire beaucoup plus rapide. Vous mettez un petit peu de crème dans une casserole à bouillir. Quand elle commence à épaissir, vous mettez un peu de thym frais, pulvérisé comme ça. Les moules. Dès que les moules sont ouvertes, vous remuez bien un petit trait de kirsch parce que ça parfume nettement, mais pas beaucoup, hein, juste un petit trait. Et vous verrez, c'est délicieux. Vous savez, ce livre, je vais vous dire ce que me disent mes amis. Tout le monde me dit, il est bien, c'est le livre que j'ai sur une étagère dans ma cuisine. Dès que j'ai un petit problème, c'est le livre que je prends pour regarder. Voilà. <music>